Yo tout le monde, c'est les Joyt. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de toute notre ex de notre collection. Alors on va commencer par vous les présenter. Alors, on commence par les plus nuls et on finit par le plus lourd. Allez, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec Yvetal. Sous pochette. Ils sont toutes sous pochette. On va pas laisser des ex. On va vous les mettre au fond à chaque fois, comme ça, si vous voulez les regarder. On va pas tenir ici à les mettre au fond. Caldeo. Celle-là, on l'a eu dans une. Voilà, on a eu dans une booster. Et puis on a eu beaucoup de chance, vu que c'est un de nos Pokémon préférés. Ouais. Dracaufeu. Ensuite, tout mignon, mais mes copains de classe nous disent qu'il est pas rare. Jirachi. Moi, je trouve que c'est un des plus jolis. Ouais, il est pas mal vu qu'il a plein de couleurs. Unitech, c'est super potion, je crois. Oui, et on l'avait au double. Si vous voulez d'autres vidéos de Pokémon, dites-nous dans les commentaires. Onigali. En plus, elle est en PV. Elle, c'est Galamex, je crois. Oui, voilà. Tu veux que j'aille voir? Non, c'est bon. On vous laisse du temps, vu que nous, on les adore. Et puis voilà. On peut après aussi présenter... Ectoplasma X. Elle, personnellement, je l'aime pas trop. Bon, c'est moi qui l'ai eu, en fait. Ensuite, on attaque avec un Karchakrak ex promo qu'on a eu dans une Pokébox à Manor. Une grosse boîte, là, il y avait aussi la grande carte. Voilà, dans une... Ensuite, ma première ex-carte Pokémon que j'ai eue en 2013. C'est Deoxysex, qui est très jolie à elle aussi. Et puis vous nous direz dans les commentaires ce que vous voulez voir sur notre chaîne, vu qu'on peut presque tout vous faire. Si vous voulez des constructions de Lego, des stop motion, tout plein de trucs, vous nous disiez. Deuxième Dracaufeu, toujours différente. Sauf que celle-là, elle est en française et c'est une promo. On continue toujours avec une Dracaufeu, sauf que encore différente. Logique, parce que si on l'a en double, voilà. Je me rappelle plus très bien. Je suis désolée, mais voilà. C'était une de mes premières. C'était une de nos premières cartes Pokémon X qu'on a eu dans une booster. Ensuite, celle-là, jolie, que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup. Rayquaza Unicolor. Rayquaza X. Ensuite, je me rappelle plus très bien de son nom. Toxicwak, ok. Elle, je l'adore. C'est Viridium. Lucario. Lucario X. Ensuite, là, on commence à attaquer avec du lourd. Rayquaza, que j'adore, qui est super joli à mon goût. Et là, on commence. Genesect X Full Art. Je vais même vous la montrer que c'est une Full Art. Elle en voit mieux. On voit mieux quand elle brille. Le reflet. Et là, on commence avec les Mega X. Et dès que j'aurai des nouveaux, vu que là j'attends des colis de cartes Pokémon, ben on vous fera des boosters et plein de trucs. Mega Dracaufeu, c'est la Y, ouais. Qui est moins puissante. Ensuite,
On attaque avec Mega Tyrannosif ex Full Art. On peut l'enlever là. Vous pouvez voir dans notre première vidéo, nous l'avons eu en ouverture. On vous dit pas tout, mais on l'a eu en notre ouverture. Alors, allez voir cette vidéo. C'était un gros choc. Et puis, la fin, la meilleure carte pour moi. Vous me direz dans les commentaires laquelle carte pour vous a été la meilleure. Bam. Mega Dracofeu X. Ex secrète. On peut vous le prouver que c'est une secrète, c'est la 108 sur 106. Bon, vous voyez pas très bien, mais... On voit les bords dorés. Voilà, on est désolé si on vous voyait pas très bien. On va essayer de faire mieux pour les prochaines vidéos, mais voilà. Pour moi, c'est la plus belle carte. Alors voilà un peu toutes les cartes Pokémon de notre collection X. Bon ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous voulez faire, ce que vous voulez qu'on fasse. Si c'est n'importe quoi, du Minecraft, tout, des stop motion, des présentations de quelque chose, ben dites-nous. Ciao tout le monde, à bientôt.